je te parle d'une compositrice française. Hélène Louise de Mars. Pas de la planète, hein. Oui, alors on sait pas à quoi elle ressemble, hein. Comme toutes les autres compositrices françaises dont je te parle, apparemment on a pas d'infos. On sait pas sa date de décès et on déduit sa date de naissance à partir d'une dédicace qu'elle a faite. Elle est probablement née en 1736 parce qu'on a encore sa première publication dédicacée dans laquelle elle précise son âge. Par contre, elle précise pas qu'elle est une femme. La première fois qu'une œuvre de De Mars a été donnée en concert, elle n'avait que 12 ans. Et c'était une pièce dédiée à une autre jeune fille, Mademoiselle Charlotte Soubise, de la famille Rohan. Vous vous souvenez de Charles de Rohan? Julie Pinel lui avait fait une longue dédicace en mode love. Le duc de Rohan, c'était un mec qui aimait bien les jeunes filles. Et apparemment, il aimait bien les compositrices. Hélène Louise de Mars est devenue plus tard une professeure de clavecin et de violon. Elle était aussi membre du cercle littéraire d'un certain monsieur Alexandre le Riche de la Poupelinière. C'était un mécène assez célèbre à l'époque des Lumières. Donc la meuf avait un réseau de ouf. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait sur Hélène Louise de Mars. Je te promets que j'aurai plus d'infos sur la compositrice du prochain épisode. Qui sera aussi le dernier, du coup.